Qu'est-ce que tu penses de Balouli? Balouli et son ventre surtout. Indice de masse grasse 20%. Vous savez, quand non, on ne joue pas beaucoup... C'est quand même un mystère, d'autant qu'il est suivi par une secte. Qui n'est pas forcément, ouais. J'ai cru longtemps que c'est du second degré, mais je m'aperçois que pas forcément. Ce et gars-là est un mystère. Je sais que Bielsa a réussi à transformer beaucoup de choses. S'il arrive à transformer Balouli, tant mieux. S'il accepte de faire des sacrifices, il peut rebondir. C'est quoi? C'est arrêter de travailler. Oui, c'est avoir une hygiène de vie dans un partie de haut niveau et d'accepter de travailler. Mais on en rigole. Mais là, sa condition physique, c'est quand même. Il y a eu des précédents dans l'histoire. Il y a des sportifs qui, à des moments, ont eu des difficultés après qui reviennent. Non, c'est vrai. Voilà. Ça peut être. Depuis que Bielsa a transformé Benjamin Mendy pour en faire aujourd'hui un super arrière-gauche, je ne peux plus enterrer personne. Voilà, donc tout est possible. Je me demande comment c'est possible qu'un joueur de football professionnel soit dans cet état de forme physique. Bah, je pense qu'ils sont quart, c'est tout. C'est vraiment... Il n'a pas pris conscience de ce qu'il fallait faire, mais parce que l'état physique d'un lui, pour le coup, à la base, un bon joueur, Nabil Fekir. Je pense que c'est différent. Je pense qu'il a fait trop de musculation, que c'est peut-être un peu. Oui, donc il n'a pas fait réellement attention. Mais là, il est pas volontairement, voilà. Peut-être mal conseillé. Mais là, il est simplement grassouillé, Balouli. Idée et tout. Balouli, il est grassouillé, ça n'a rien à voir. Mais Fekir, il était il y a quelques mois. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais il n'empêche que quand tu vois en ce moment, c'est un mec, je pense, qui a beaucoup de talent. Il est en train de se gâcher parce que il fait peut-être les mauvais choix de vie. Il n'a pas l'hygiène de vie qu'il faut, ou il a, comme tu dis, peut-être c'est autre chose, il a fait trop de muscu alors qu'il n'aurait pas dû ça en faire. Il n'a pas adapté ses efforts à son toi corps. Toi qui es un pro de la muscu, là, tu sais que ça posait. Regarde, Ressé, depuis qu'il a fait 6 mois de muscu comme un fou, là, il ne fait plus rien, le gars. Enfin, la muscu, clairement, Balouli, sur le haut du corps, il est trop lourd, il perd en tonicité, tu le vois qu'il est beaucoup moins vif. Je pense que c'est parce qu'il a pris du poids. Beaucoup plus de masse musculaire, notamment sur le haut du corps. Et comme il était blessé sur le bas du corps, peut-être qu'il a voulu, je sais pas, hein, mais peut-être qu'il a voulu compenser en allant à la salle. Je le sens, que je le vois comme ça. C'est quand même une grande tendance dans le foot, la muscu. Bon, en Angleterre, ils en font beaucoup. En France, on en faisait moins. Surtout à partir de mars, parce qu'après, il y a la plage, tout ça. Je pense qu'un préparateur physique particulier peut lui faire beaucoup de bien. On sait qu'il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui qui... On recourt à ça pour en attendant la prestation de Balouli, c'est quand même. Il sait pas faire de passe.